préfète du centre d'Ajaccio que sont retranchés depuis 3 heures ce matin les membres du collectif autonomiste de Bastelica. Pascal, c'est quelqu'un qui me parle de ses idées le moins possible. Ce qu'il fait pas, il m'en parle pas, il veut pas me mêler. Je veux pas que tu te fasses de soucis. Que tu comprennes bien, s'ils cassent la porte, c'est ici qu'ils vont la casser, qu'ils vont venir te chercher. Chez nous, hein. Et quand on a ce qu'il a dans la tête, on y va seul à son combat. On n'entraîne pas une jeune fille. Je suis amoureuse de lui, papa, je vais pas faire comme si je l'aimais pas. Comment arrêter? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et basta. Et on reste toutes les trois soudées aussi. C'est la situation dans laquelle on est. C'est d'un état colonial qui organise l'élimination d'un militant politique. Ça fait 2 ans que tu bosses, ça fait 10 photos dans ta vie, tu connais le métier. Ben je sais pas, il se passe quand même quelque chose d'historique et on va pas le couvrir. Bon, ils ont rien, comme toujours. Cette fois-ci, je vais pas t'attendre. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Ce que tu as fait, Pascal. Tu comprends bien là ou pas? Il y a les prémices d'une guerre. On peut pas laisser le contrôle du mouvement à certaines personnes. Bon, et nous, on fait quoi? On porte le deuil, on subit? On élève seuls vos enfants? On a recruté beaucoup de monde. Et ton frère, il y en a des tas d'autres. Ne raconte pas de conneries, hein. Je t'interdis. C'est comme ça qu'on t'a élevé! Vous nous contaminez, vous nous pourrissez tous. Vous pouvez être content maintenant d'avoir enfin l'occasion de tuer et mourir comme des hommes. Parce que pour vous, c'est ça, être un homme, non ?